ont témoigné de la contribution irremplaçable de l'AFM Téléthon dans le succès de leur recherche. Notre implication pendant le mois, enfin les semaines qui ont précédé le Téléthon et le week-end du Téléthon. La déception pour les malades, ça a été de ne pas pouvoir se déplacer pour beaucoup d'entre eux, puisque avec les conditions météo, il n'y a pas eu les transports adaptés qui ont pu aller les chercher dans leurs établissements chez eux, et donc ils n'ont pas pu aller vous visiter. À tous pour l'énergie que vous donnez lors de ce week-end, c'est aussi de l'énergie que nous on reçoit pour nous battre toute l'année. Alors on peut d'autant plus remercier Claire particulièrement, c'est qu'elle était dans les cartons, elle déménage demain. Donc on va remercier les ZAD de Maronne, on va remercier l'école de musique de Maronne, les Énéréraux de Maronne, les Bros. Je crois que tu es un peu concerné là, il me semble. Oui, on dirait pas, mais elle est présidente des Énéréraux de Maronne. À 45 ans, c'est bizarre. Hein, mais... Et puis les restaurants, leur restaurant qui s'implique énormément, le restaurant Les Jardins de Maronne. En regardant Daniel, les aînés ruraux de Conneret. Il y a la municipalité aussi qui est là, mais ils n'osent pas parce qu'ils sont un peu timides, à mon avis. Alors la municipalité aussi. Et puis en faisant signe comme ça, je remercie parce qu'il est arrivé par ses occupations peut-être en cours. Donc je remercie la présence de notre conseiller général, monsieur Jean-Luc Fontaine, qui est le maire d'Ivry, qui nous accueille ce soir. Merci Jean-Luc. Donc, je remercie les aînés ruraux. Eh bien, Jackie, Antoine, et au travers de toi, l'ensemble, bien sûr, de ceux qui sont à la cheville ouvrière de cette organisation en SARP, eh bien, je voulais vraiment vous féliciter et te remercier. Merci beaucoup. Merci. Voilà.